C'est ma première journée du vlog, donc j'ai décidé de partager un peu mon expérience de ma préparation pour l'Ironman de Tremblant. J'ai essayé de le faire en français. Je trouve que je peux plus m'exprimer comme ça, puis la plupart des gens qui me suivent me parlent français, donc je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc aujourd'hui, c'était une journée typique d'entraînement, du bon volume, un peu d'intensité en course à pied, un petit peu en natation, mais rien de très intense. Étant donné qu'on se prépare pour un Ironman, c'est beaucoup, beaucoup de volume. Donc, bien que je fais l'intensité, c'est quand même assez limité. Bien que j'ai fait quand même un bon set de bike hier. Aujourd'hui, c'était 4h45 de vélo easy, mais avec beaucoup de cordes. Donc, ça amenait quand même un niveau de difficulté assez élevé. Après, j'ai mangé, j'ai fait une sieste, fait un peu de complex pour réveiller mes jambes. Après, j'ai nagé 45 minutes. Fait un peu de pull palette, des pannes, un peu plein d'affaires. Et après, je suis allé courir 50 minutes. Il fait vraiment chaud. Changer mon pneu. De 4h45, 136 kg en vélo de route avec beaucoup de côtes. Donc un bon training, surtout du maintien, faire un peu de volume. Dimanche dernier, j'avais fait 7h30, donc on dirait maintenant faire 4h, 5h, on dirait que c'est une petite ride, mais ça reste que c'est quand même difficile, surtout avec la chaleur. Donc là, je viens de finir, j'ai vraiment soif, il va faire comme 30-35 degrés. Donc je vais aller boire beaucoup, manger un petit peu, peut-être faire une sieste, puis après je vais aller nager puis courir. Donc je viens de finir d'aller courir, j'ai couru 50 minutes, j'ai fait 12 kg environ,
C'est bien été, il fait chaud. Fait chaud, moi il fait beau, donc c'est ça l'important. Donc, depuis certains temps, j'avais une blessure à la hanche. Et on a fait des tests, une IRM, un X-ray. Puis la raison de ça, c'est que ma jambe droite est plus courte que ma jambe gauche, entre 1 et 2 cm. C'est quand même une bonne différence. Donc, récemment, je suis allé chez Equilibrum et ils m'ont fait faire une orthèse. Donc là, c'est la première fois que j'essayais. Donc, l'orthèse, ça sert un peu à compenser le déficit que j'ai entre mes deux jambes. Donc ça va prendre probablement une période pour vraiment m'adapter à ça, mais à date, le feeling est assez bon. Donc, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que je sais un peu c'est quoi la raison de mes blessures au cours des dernières années. J'ai toujours eu cette même blessure-là à la hanche. Au début, je croyais que c'était à cause de ma chute au Texas, mais là, je pense vraiment que c'est à cause justement de cette différence d'auteur entre les deux jambes qui crée que quand j'augmente le volume, mon corps ne peut pas vraiment compenser pour ça. Puis là, c'est là qu'il commence à avoir de la douleur. Donc, je suis content qu'on ait trouvé la raison de ce problème-là. Donc, c'est tout pour le premier vlog du triathlète, qu'on appelle ça. Donc, je vais essayer d'en faire assez souvent. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde plus ou des suggestions, faites-moi signe. Et à la prochaine!